Eh bien, salut les amis, c'est Benji Farmer, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti pour l'épisode numéro 16, il me semble, de la carrière suivie sur la map Belgique Profonde V2 en solo. Donc la dernière fois, on s'était arrêté où j'étais en train de moissonner le champ 8, il me semble. Et puis j'avais dit je finirais de les moissonner hors vidéo. Donc je les ai finis, j'ai fini le champ 8 et le champ 9. Mais par contre, je suis pas encore allé vendre le colza et le blé. Mais je pense que je ferai ça peut-être plutôt au prochain épisode ou en hors vidéo, je verrai ça. Et donc sinon aujourd'hui, donc on est parti avec le petit Fendt. On va aller chercher du nouveau matériel que j'ai acheté parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais l'argent a baissé un peu parce que je me suis acheté du nouveau matériel. Donc on va tout de suite aller voir ça, ce que c'est, parce que c'est quand même une surprise. Donc vous verrez bien. J'ai acheté du nouveau matériel que j'ai vraiment adoré. Je trouvais vraiment ça pas mal, donc on va voir ça tout de suite. Donc on est parti. Donc je vais semer. Enfin, voilà, j'ai dit la réponse. J'ai acheté donc un semoir que je trouvais vraiment super bien. Donc du coup j'ai vendu le semoir Lemken parce que je le trouvais quand même trop grand pour cette map. Enfin, même s'il y a des grands champs, on les a pas encore. Donc là, pour l'instant, on en a plutôt des petits. Et je sais pas si vous remarquiez, mais pendant les vidéos, quand je semais, il y avait des endroits où ça semait pas. Enfin, il y avait des petits bugs. Donc du coup, j'ai décidé d'acheter un autre semoir. Donc voilà, c'est le Horsch. Voilà, donc déjà, faut que j'arrive à l'atteler. Voilà, donc il est un peu plus petit. Il fait 6 mètres, il me semble. Enfin, il est même beaucoup plus petit. Mais comme ça, je pense qu'on s'amusera plus à semer qu'avec le grand semoir Lemken. Je trouve que ça fait quand même plus réaliste avec ce semoir-là. Donc si vous voulez le lien de ce pack de mods, n'hésitez pas à me le dire, je le mettrai dans la description. Enfin, je le mettrai peut-être même tout court, sans que vous le me demandiez. Parce que c'est vraiment un pack que j'aimerais faire partager. C'est vraiment. Enfin, moi j'adore, je trouve ça vraiment super. Donc je pense très certainement le mettre dans... Alors attendez, ce qu'il faut faire... Je pense très certainement le mettre dans la description. Alors attendez, pour bien l'atteler, il faut faire ça, il me semble. Et là, il faut faire J. Voilà, parfait. Il faut faire V après. Alors par contre, il y a des petits bugs, hein. Quand on veut le relever, il y a l'avant du tracteur qui lève. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste des petits bugs, mais rien de bien grave. Ça fonctionne quand même. J'ai pas essayé avec une masse, mais je pense que même avec une masse, ça doit le faire quand même. Mais bon, je préfère sans masse. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, on va aller semer avec ce bel ensemble. Hors chez Fendt. Bon, il va falloir d'abord qu'on aille le remplir. Oula, si, il va peut-être m'a falloir une masse quand même. Parce que le Fendt, il part un peu... Il part un peu en avant. On verra ça bien après. S'il a semé, ça gêne. On en achètera une. Mince, j'ai enlevé les phares. Voilà. Donc voilà, on va aller semer donc, tous les champs. On va les ressemer encore une fois de colza. Je pense que ce sera peut-être la dernière. Parce qu'on fait que ça. Donc après, je pense qu'on semera peut-être plutôt de l'orge ou du blé. On verra bien en fonction des demandes. Donc voilà. Bon, va vraiment falloir que je m'achète une masse. Parce que dans les virages, il part quand même sur le côté. Voilà, donc il tourne mal. Alors attendez, je vais remettre l'affichage. Parce que par contre, je sais pas super bien m'en servir. Vu que ça fait pas longtemps que je l'ai téléchargé, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Bon, après, je serai un pro, mais tant que je m'y habitue, c'est que la deuxième fois que je le teste. Ouh là là. Là, je m'y suis mal pris. En plus, il y a l'ensileuse, donc faut que je fasse gaffe. Allez. Parce que je sais plus si c'est sur R qu'il faut appuyer ou s'il y a une autre touche. Non, c'est R. Voilà, donc on va le remplir. Bon, il n'a pas une très grande contenance comparé au semoir Lemken, mais c'est pas grave, on s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est plutôt
le semoir s'il est bien ou pas. Bon, sachant que celui-là il est quand même, il reste quand même assez grand, hein, il fait 6 mètres il me semble. Donc voilà. Alors on va juste s'acheter une petite masse par contre. Parce que là c'est quand même assez juste. On va s'acheter celle-là. Voilà. Bon, elle coûte assez cher quand même, 6000 euros juste pour une masse. Bon, c'est pas grave. Attends, on va juste la réinitialiser. Hop, voilà, parfait. Donc oui, ça coûte quand même assez cher comme masse. On n'est plus qu'à 30 000 euros. Bon, c'est pas grave. En revendant le colza et tout, on verra bien l'argent qu'on gagnera. Alors, où te caches-tu, petite masse? Voilà, tu es là. Ouais, je pense que ça va être beaucoup mieux avec la masse. Voilà, parfait. Donc on va aller semer nos petits champs. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de tous les semer pendant cet épisode, mais on aura peut-être le temps d'en semer un ou deux. Sachant qu'après, faudra les pulvériser aussi. Donc voilà. Alors, comment on choisit la culture avec ce... Je sais plus comment on choisit la culture. Par contre, mince, je suis allée trop loin. Je regardais pas où j'allais. Par contre, je sais plus comment on choisit la culture. Alors là, j'en ai aucune idée. Alors, si on le déplie, X. Alors, K, non, c'est pas ça. Alors, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, je sais pas du tout. Pourquoi il sème que du blé? Alors, bon ben, dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Ça me paraît quand même bizarre. Ça, c'est les traceurs. Pourtant, j'appuie sur O. Bon ben, ça fait rien. On va semer un peu de blé, on verra bien. Bon, comme ça, ouais, on va semer du blé. Tiens, pourquoi pas. C'est pas grave, le blé, c'est aussi bien. Ça nous changera un peu du... Alors par contre... Pourquoi ça sème pas? Alors là j'aurais vraiment dû le tester avant. Si je savais... pourquoi tu veux pas pousser? C'est quand même bizarre. Attendez, je vais relever la masse en haut. Alors, pourquoi il veut pas semer? Là, est-ce que tu veux semer? Non, il veut pas semer. Alors pourquoi? Là, peut-être qu'il va vouloir semer. Non, toujours pas. Si. Ah voilà, c'est bon, il sème. D'accord. Alors c'est qu'il fallait appuyer sur B en fait. Je m'étais trompé de touche. J'avais... D'accord, donc c'est sur B. Bon, ce coup-ci, j'y penserai. Excusez-moi pour ce petit incident, je l'avais pas encore tout à fait testé.
Maintenant, je saurais que fallait appuyer sur B. Donc voilà, maintenant on est parti. On va semer donc tout ce champ. Je pense qu'on aura le temps de le semer. On va mettre l'éclairage. Hop là, c'est parti. Donc on va d'abord faire tout le tour. Puis ensuite on fera l'intérieur. Ouais, donc c'est vraiment un magnifique semoir. Franchement, moi j'adore. Enfin, je trouve que c'est plus réel que le semoir Lemken. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est moins gros. Et... Enfin, moi ça me gêne pas forcément. Je trouve ça même plus réaliste. C'est beaucoup mieux. Bon, ça on rectifiera ça tout à l'heure. On va faire deux fois le tour. Et puis on rectifiera la petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Voilà, donc il faudra aussi que je trouve quand même le problème de pourquoi je peux pas semer du colza. Il faudra que je me renseigne auprès de mes copains ou sur internet, je verrai bien. C'est peut-être une vidéo présentation mode, truc comme ça, enfin. Je verrai. Ou peut-être bien que je ferai peut-être une présentation de mode sur ce pack, parce que c'est vraiment un pack que j'adore, donc. Pourquoi pas envisager une petite présentation de mode? Ça pourrait se faire. Donc faudra voir ça. Donc voilà, on est parti pour semer ce champ. Bon bah du coup on sème du blé, hein, on peut pas semer du colza. Bon, ça changera un peu du colza, on verra bien. Et puis c'est parti. Alors. Maintenant on va lever. Voilà. Donc là, on va essayer de faire une ligne droite comme ça. Donc là, on est 30 abonnés. Enfin, on est 30 sur ma chaîne. Franchement, merci. Merci à vous, 30 abonnés là. En 2 mois, franchement, jamais j'aurais cru que j'aurais réussi en peu de temps à avoir autant d'abonnés. Franchement, merci à vous. C'est super, 30 abonnés. Waouh. C'est limite si je trouve ça pas impressionnant. Parce que je m'y attendais pas, je me suis dit bon, je vais faire une petite aventure sur YouTube, voir ce que ça donne, parce que j'avais des copains qui étaient dessus et tout. Je me suis dit bon, je vais peut-être pas réussir, mais j'essaye quand même. Franchement, je m'attendais pas à avoir 30 abonnés. Enfin, peut-être que j'en aurais eu 30, mais au bout de 2 mois, franchement, j'aurais pas cru. En plus, j'ai sorti que, enfin, ça va être ma 24e vidéo, donc 24 vidéos et 30 abonnés, c'est super, enfin. Franchement, merci à vous. C'est vraiment super. Je pense certainement faire du multijoueur avec vous les abonnés. Donc ce serait sur la Hidden Newton. Donc je ferai une vidéo où je mettrai les mods qu'il faudrait avoir et tout. Je ferai une vidéo où je vous dirai quand est-ce que vous pourrez venir faire du multijoueur avec moi et tout. Mais franchement, merci à vous. C'est super. Hop. Bon, on met quand même plus de temps avec ce semoir, mais enfin, je trouve ça quand même mieux. Oula. Il y a des petits bugs par moment quand même. Je sais pas si ça vient du semoir ou si ça vient de moi, mais bon, je pense que ça doit venir du semoir parce que ça buguait pas avant. Bon, c'est pas grave. Allez hop, c'est reparti mon coco. On va se mettre en régulateur 2, ça avance quand même plus vite. Ouais, donc en fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est faire le tour mais après en fait. Parce que là je suis obligée d'aller jusqu'au bout du champ donc ça fait pas très réaliste mais ouais, il faudrait que je fasse le tour après en fait. J'ai remarqué ça. Bon, pour la prochaine fois quand on fera le prochain champ je saurai comment faudra faire.
Ou alors ce que je ferais, c'est que j'engagerais carrément un ouvrier. Enfin, on verra ça. Sur le champ d'à côté, peut-être. Je verrai bien. Parce que là, on est obligé d'aller jusqu'au bout, donc c'est un peu chiant. Alors là, je vais m'arrêter. Pour éviter qu'il y ait trop de bugs, faut pas que je roule trop vite. Là, je vais me prendre la barrière. Voilà. Ça, c'était obligé, ça passe pas. Hop. Donc j'ai aussi téléchargé un autre pack de mods où il y a des semoirs dedans mais beaucoup plus petits. Mais il y en a aussi un très grand mais c'est un semoir à maïs. Donc c'est vraiment aussi un pack de mods, enfin un pack Neverland. Je sais pas si ça se prononce comme ça mais moi je le prononce comme ça. C'est un peu difficile à prononcer. Ou j'en ferai peut-être plutôt une présentation de mods sur ce pack, enfin Neverland là. C'est vraiment un pack que je trouve... pas mal, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire une présentation de mode dessus. Donc je verrai ça, je vais y réfléchir. De toute façon, ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'en ai fait, j'avais présenté les moissonneux de John Deere. Sachant que je m'étais un peu trompée au niveau du format de la vidéo, je sais pas si vous avez vu. J'avais mal réglé et du coup, ça apparaissait pas en tout écran. Je suis désolée pour ça, hein, j'avais fait un mauvais réglage. Donc c'est pour ça, faut que je fasse une autre vidéo donc de présentation de mode, mais beaucoup mieux. Allez, pourquoi tu veux pas passer là? Ça passe. Non. Il veut pas passer juste parce qu'il y a un petit bout qui est resté dedans. Non mais je rêve ou quoi? Mince! Oh non, non. Là, je suis en train de faire des conneries. Voilà, décidément. Donc toi, tu retrates l'aile. Voilà. Bon, j'espère que ce coup-ci, il était coincé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément le replier. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ah, décidément. On va pas y arriver dans cet épisode entre le semoir que je sais pas combien comment il fonctionne. Le semoir qui se bloque dans l'arbre. J'espère qu'il va pas m'arriver encore d'autres conneries. Sinon on n'avancera jamais. Mince, voilà, il m'en est arrivé une autre. J'ai oublié d'appuyer sur B. Est-ce que je vais y arriver? Pas sûr. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Voilà, c'est bon. Donc, on est parti encore. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire demi-tour comme ça. Vu que ça ressème carrément derrière, ça m'évitera de sortir carrément du machin. Voilà, même si bon, ça fait pas très réaliste de ressemer derrière. Mais c'est pas grave. Donc aussi, je pense refaire des vidéos où je ne parle pas dedans, avec de la musique. Enfin, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'épande la chaux sur la map Belgique Profonde V2, donc sur cette map, où j'épande la chaux avec ce Fendt. Je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, elle a pas mal plu parce que c'est quand même ma vidéo qui a eu le plus de succès. Donc, je trouve ça même étonnant, 250 vues, il me semble, ou je sais plus trop. Je trouve ça quand même énorme, juste pour une vidéo où en plus elle est même pas en HD parce que j'ai pas eu le temps de faire un montage. Je l'ai mis de dernière minute avant de partir en vacances. Et j'ai eu 250 vues. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est pas du tout.
Donc voilà, c'est super. Donc je pense en refaire, mais en multijoueur avec de la musique et avec un montage vidéo et tout. Où je pense qu'on va débroussailler, je sais pas, peut-être les bas-côtés de la map Belgique profonde, mais je crois que ça fonctionne pas sur cette map. Enfin, je sais plus. Enfin, les bas-côtés ou de la map là et des Newtons, ou sur la map européenne, donc Hagenstedt. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Puis bah voilà. Alors par contre, quand je tourne, ça en oublie un peu. Ouais, voilà, ça laisse des petites marques, des petits points. Bon, c'est pas grave. Donc ce champ-là, il sera terminé. Donc ça, c'est parfait. Là, il en reste un petit peu ici. On va aller commencer donc le champ qui est là-bas et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Ça doit faire déjà pas loin de 20 minutes que je dois tourner. Donc on s'arrêtera là pour ce 16e épisode déjà. Ça fait déjà quand même 16 épisodes. Oula. Je fais du deux roues maintenant avec ce tracteur. Ouais, donc ça va être quand même un petit bug de ce semoir là, le tracteur qui se lève. Mais bon, c'est quand même un semoir qui reste super bien fait. Donc voilà, donc faut que je pense à mettre le lien dans la description. Faut que j'y pense à tout prix. Puis bah voilà. On va commencer juste à faire le tour de ce champ-là. Et puis je pense que bah on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc on est reparti. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire dans cet épisode, hein. Il y a eu quelques gros blancs, mais voilà, hein, maintenant j'ai dit pas mal de choses en 16 épisodes, j'ai eu le temps de vous raconter pas mal de choses sur ma chaîne, sur ce que j'allais faire et tout, donc j'ai plus grand chose à dire. Mais bon, c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure. Hein. De toute façon, quand on est en multijoueur, on a beaucoup plus de choses à se dire parce que déjà, on parle pas tout seul face à son ordi. Même si bon, on sait qu'après il y a des gens qui regardent ce qu'on fait, mais enfin voilà, faire un commentary, ça fait quand même un peu bizarre. On parle tout seul devant son ordi. Mais voilà. Enfin, moi c'est ce que j'aime bien, faire des petites vidéos comme ça. Donc là, on a pratiquement fini. Voilà, on a fait le tour. Voilà, en plus on s'est même pris la barrière, donc comme ça on doit s'arrêter. Un stopping au passage, voilà, parfait. Donc voilà, bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao les amis!